hymne d'Angleterre. J'avais le tambourin, j'ai envoyé l'air de fait. Wouh! Si vous connaissez le nom de ce groupe, comme de diable en l'air, maintenant! Alors, je vais peut-être aller demander par ici, mais je crois que je vais demander à celle d'entre vous qui a levé ses cornes de diable en premier. Et cette personne, c'est toi. Les Beatles, tu t'appelles comment? Applaudissements pour Calma! Mais, comme tout le monde a été très rock'n'roll aujourd'hui, tout le monde va pouvoir faire comme dans un vrai concert de rock'n'roll qui ne se regarde pas assis, mais debout. Alors tout le monde se lève! Tout le monde se lève, et surtout un concert de rock'n'roll, ça se regarde debout, mais ça se regarde collé à la scène. Alors tout le monde se rapproche de la scène! Ok, tout le monde! Ok! Là vous faites pas mal! Peut-être reculez-vous un petit peu pour pas être ceux qui sont dedans. Ok, super! Et si vous n'avez plus de place pour vous coller à la scène, collez-vous aux enfants qui sont collés à la scène. C'est comme ça qu'on fait des rencontres. Alors non, là vous êtes très bien, et sur ce morceau, il va falloir que tous ici vous fassiez deux choses très importantes dans le rock'n'roll. La première de ces deux choses, c'est des pauses de rock'n'roll. Qu'est-ce qu'une pause de rock'n'roll? C'est à un moment donné où on fait les cornes de diable et où on ne bouge plus du tout. On va vous montrer l'exemple sur scène. Attention, pause de rock'n'roll à 3, 1, 2, 3. Maintenant, je vais voir toute la salle à 3 faire des pauses de rock'n'roll. 1, 2, 3. Attention, deuxième chose. La deuxième chose qu'il va falloir faire, très importante, c'est danser le rock'n'roll. Comment on danse le rock'n'roll? C'est très simple. Tout le monde lève les cornes de diable en l'air, tout le monde. Sur scène aussi, yeah. Et on saute sur place. Ok, ok les enfants, ok. Mais en attendant, ce qui est très important dans le morceau qui va suivre, c'est que pour la première fois du concert, on va se servir de notre fabuleux et très célèbre micro de... Hello Kitty. On se sert de ce micro parce qu'il fait une voix trop sympa comme... Hello Kitty. Nous, on n'en a rien à faire de Pouka. Nous, ce qu'on aime dans la vie, c'est... Hello Kitty. Ok, alright. Mais maintenant, tout le monde fait sa pause de rock'n'roll parce que c'est le début du morceau. 1, 2, 3. Et maintenant, personne ne bouge. Tout le monde garde la pause de rock'n'roll jusqu'à ce que le wacky bleu vous dise de danser le rock'n'roll. Mais pour l'instant, tout le monde reste comme ça. Personne ne bouge. Et tout le monde écoute Hello Kitty chanter le morceau. Tout le monde laisse les cornes de diable très haut et tout le monde saute.